Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite série où ce qu'on va voir les quêtes de Starboon. Alors je vais essayer de faire un épisode pour chaque quête, ce sera simple, ce sera vite fait. Alors déjà on va commencer par créer un petit perso, on va prendre la nouvelle race, parce que j'ai jamais encore eu l'occasion de tester. Et il faut savoir que la première quête... Tiens, on prend un homme. Pas trop mal lui. J'adore les noms. Allez, on va prendre ça. On va accélérer. Alors. Donc, ça, c'est la quête raciale. Chaque personnage a une quête. Chaque race a une quête différente. Bon, là, c'est assez simple. Alors, là, le personnage, il dit qu'il se souvient pas comment il a fait pour arriver ici. Son vaisseau, il a été endommagé. Et qu'il va avoir besoin de réparer les propulseurs du navire et de colmater, excusez-moi, la coque. Voyez, c'est un peu cassé et tout. Alors, pour commencer, on active l'ordinateur de bord. Alors là, il y a plein d'erreurs et tout. Il faut reboot le vaisseau. Reboot l'intelligence artificielle du vaisseau, l'IA. Alors, hop, on valide la quête. Et voilà. Là, le vaisseau, il redémarre et tout. Il se présente, il dit Hello, merci à toi de me redémarrer. Je suis SAIL. Ça doit être. Ah, bah, c'est marqué juste en haut Chips Base Artificielle Intelligente Latice. Voilà quoi, c'est l'ordinateur de base, de bord, l'IA. Vous voyez, c'est un cheval pour cette race-là. Et puis, il faut savoir qu'il y a plusieurs intelligences artificielles avec une tête différente pour chacun. Alors là, première quête de... Quand on commence, c'est tout simplement, il nous dit comme quoi... Voilà, qu'il faut aller chercher le Matter Manipulator. Non, il nous le donne. Excusez-moi. Voilà. Alors là, c'est le Matter Manipulator qui va nous permettre d'interagir avec le monde et les matériaux. Alors la traduction, c'est... Alors, il faut... Alors, le matter manipulateur fonctionne. Il vous permet de miner, de collecter des objets et des matériaux. Voilà. J'ai pas un très bon anglais, mais bon. Alors là, il faut... Bon, ça, pour cette quête-là, on reviendra un peu plus tard, parce que pour l'instant, on n'a pas y accéder encore. Alors là, on va aller sur le téléporteur, cette quête sur le tableau de bord. Alors là, ils nous disent, je peux faire un tour sur le vaisseau et trouver le téléporteur, qui me permettra d'aller sur la planète qui est en dessous de nous. Et il nous dit, soyez prudents. Alors, on valide la quête. Et du coup, là, on active le tutoriel 1. Il nous dit... première chose que je dois faire, c'est de vérifier le casier du navire. J'aurai besoin d'une lampe torche. Il devrait y avoir d'autres fournitures aussi avec. Alors, on accepte la quête. On ferme le tableau. Et évidemment, c'est dans ce casier-là. Vous voyez, la torche est ici. On prend la torche. Et puis les autres matériaux, il nous dit... la lampe de poche... Et les armes et quelques torches, c'est ça qu'il y a dans le coffre. Alors il nous dit de faire bonne mesure avec ou bon, bah, d'utiliser ça à bon escient, quoi. Et puis qu'il est temps pour moi d'aller sur la planète. Alors du coup, on accepte la quête et logiquement, on active le tutoriel 2. Alors pour ça, on verra ça sur une prochaine vidéo. Alors pour l'instant, c'est le premier tutoriel. Les autres tutos. Bah, je vais faire tous les tutos et les quêtes de mission aussi. Chaque tuto, chaque quête aura sa propre vidéo. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve sur le tutoriel numéro 2. Allez, ciao!